Bienvenue sur la chaîne Glitch Fun les potos. Bon, j'ai un gros glitch à vous présenter. Donc vous allez dupliquer environ un véhicule toutes les minutes. D'accord? Donc là vraiment vous allez remplir vos garages, toutes les places que vous avez de libre. Allez, c'est parti. Donc en priorité les gars, il va falloir faire ce glitch que si vous avez une plaque blanche ou une plaque custom sur une Illegeek RH8. D'accord? Donc là, moi, je vais acheter des Fadjo en masse. Donc, tous les emplacements de libre que vous pouvez avoir, vous achetez des Fadjo. Donc, vous pourrez dupliquer autant de véhicules que vous avez de place libre. Mais par contre, ça sera des plaques sales. Ça veut dire que ça sera toujours les mêmes plaques. Donc, si vous avez une plaque custom dessus, ça vous dupliquera votre plaque custom. Et c'est nickel. Ça sera mieux que les plaques propres au final. Donc, vous achetez des Fadjo dans vos garages. Il va vous falloir un garage de PDG plein avec la voiture que je vous dis qui a une plaque custom. Ok? Donc, là-dedans, vous la mettez en l'emplacement 6, là-devant, dès que vous rentrez. Dès que vous rentrez dans votre PDG, au moins vous tombez dessus, c'est nickel. Donc, surtout, plaque custom. J'insiste là-dessus parce qu'après, vous allez être limité à la vente rapidement à 1. Et ensuite, vous allez les vendre 15 000 $. Parce qu'au fur et à mesure, ils vont vous baisser le prix. Donc ne faites jamais un glitch plaque sale. Vous avez un glitch solo sur la chaîne. Donc cela, c'est plaque propre. Vous n'avez qu'à faire celui-là. Voilà, tant pis, ça mettra plus de temps. Mais vous n'avez qu'à faire le glitch solo, les gars. Il y a plein de glitch en ce moment. Donc là, je vais péter le max de bagnole. Le max de Fadjo, pardon. De moto. Donc vous allez vous mettre en club de motards. Il va vous falloir l'Avenger, il va vous falloir le complexe, donc un garage de PDG, au moins un garage de PDG. Donc en gros, une fois que j'ai acheté tous mes Fadjo, je vais tous les exploser. Vous mettez tous les Fadjo dans la mutuelle, voilà. Donc là, on va glitcher par rapport à la mutuelle. Donc une fois que le Fadjo il sera à la mutuelle, je vais vous le faire transformer en Illegeek Custom Retro. Et après, vous aurez juste à les appeler de la mutuelle et elles se mettront dans vos garages, gratuitement. Une tuerie les potos. Vous allez voir ça. Vous n'allez pas être déçus. Donc moi je vais vous dupliquer un garage complet, d'accord, je vais vous en faire 10. Bon, j'ai mis du temps parce que je vous explique et tout, donc genre la vidéo dure 20 minutes et j'ai fait 11 duplications. Voilà, sans compter le temps de les exploser et tout. Donc moi je vous dis, c'est une voiture toutes les minutes, peut-être même moins d'une minute. Donc je vous mets aussi dans la description la vidéo, donc ça sera le même glitch, mais ça sera pour mettre un véhicule personnel à l'emplacement des véhicules spéciaux. Ça veut dire que vous pourrez l'appeler en illimité le véhicule que vous aurez mis à l'intérieur. Donc moi je l'ai fait avec une Deluxo, j'ai mis le Night Shark, et je sais que dans mes véhicules spéciaux, je peux appeler des véhicules que j'utilise souvent. Ça vous évitera d'attendre le mécano. Donc regardez ça dans la description. Les potos, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce. Parlez-en à vos amis les gars. Essayez de nous faire connaître la chaîne. Voilà, un petit coup de pouce, ça fait du bien.
C'est vrai que là, on est en équipe et on a besoin de vous comme vous avez besoin de moi si que je vous présente des glitches. Donc le plus long, c'est ça, c'est de péter les fadjous en fait. Il n'y aura pas de timing, il n'y aura rien, tout le monde pourra le réussir. Si vous avez envie d'aider un collègue, c'est le moment. Donc espérons que vous ayez fait les plaques blanches sur les anciens glitches. Pour ceux qui suivent la chaîne, on a tout fait pour vous faire avoir une plaque blanche. Donc logiquement, vous avez un véhicule Elgi Custom Rétro avec une plaque blanche. Donc les gars, pétez tous les fadjos et il va falloir en garder un en bon état. Parce qu'avant de rentrer dans le complexe, il faudra appeler un fadjo. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que ça veut dire qu'il va croire que vous êtes en fadjo pendant le bug. Donc la première duplication, on va le faire avec un fadjo qui n'est pas détruit. Et ensuite, on va enchaîner avec des véhicules détruits. Donc dans le garage de PDG, il vous faudra le custom. Donc là, vous voyez, regardez, je vais vous montrer le garage Penthouse 3. J'en ai détruit 10, d'accord? Donc c'est Eclipse Penthouse 3. J'ai 10 fadjos à dupliquer. Plus une que je vais dupliquer qui sera celle que je vais appeler au dernier moment avant de rentrer dans le complexe. Donc les gars aussi, vous allez dans l'éditeur et là, vous allez vous mettre en visée libre. Et ensuite, vous allez en session sur invitation. D'accord? Obligatoire. Il n'y a pas de PS4 ou Xbox. Ça marchera pour les deux de la même méthode. Vous allez vous mettre en visée libre. Donc, vous faites éditeur. Dès que vous êtes dans le menu éditeur, vous appuyez sur options. Et dans options, vous avez les paramètres comme dans le mode histoire. Donc, vous irez dans les paramètres de la manette. Boum, vous mettez en visée libre. Et ensuite, vous allez en online. Et là, vous irez en session sur invitation. Une fois que vous avez fait ça, vous allez inviter votre collègue, parce qu'il va vous falloir être deux. Vous invitez votre pote dans la session. D'accord? Avant d'être buggé. Une fois qu'il vous a rejoint, vous allez commander un fadjo. Non, vous avez vu, j'ai fait apparaître un fadjo. Et je rentre dans le complexe pour commencer le glitch. Donc surtout, n'oubliez pas d'avoir un véhicule personnel fadjo dehors. Commencer la manipulation. Et là, donc c'est simple, on va dupliquer autant de véhicules qu'on veut en faisant une fois le glitch que je vous avais présenté hier, c'est le même. On ne fera qu'une seule fois la manipulation. Donc on va rentrer dans l'Avenger. On va se mettre à la porte du message du cockpit. On va rejoindre un joueur en ligne, d'accord? Moi je rejoins vraiment au hasard. Donc là vous faites PS, vous allez dans le jeu en cours, rejoindre session. Vous allez entendre en bas à droite un chargement après. Là, en bas à droite, chargement, je valide la porte. Je vais valider le premier message et je refuse le changement de visée. Boum, je suis buggé, je suis ici, c'est nickel. Première étape, ok. Maintenant, vous allez faire Start, vous allez appuyer sur votre carte. Vous allez faire Pavé tactile pour faire apparaître vos activités. Donc, vos activités, pour les mettre en marche, si vous ne les avez pas apparentes, vous allez dans le pavé tactile, le choix 10. Et là, vous allez aller sur l'activité la plus près de votre PDG. D'accord? Et vous cliquez Carré dès que vous pouvez. Donc une fois que vous êtes dans l'activité, vous allez attendre qu'en bas à droite, vous voyez quitter qui vient d'apparaître. Vous faites PS. Vous allez encore une fois rejoindre le joueur. Valider le premier message, refuser le deuxième. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas l'activité sur la carte, vous faites pavé tactile sur la map. Vous faites pavé tactile, le choix 9, masquer icône. Vous cliquez sur masquer icône, vous cliquez sur activité et vous mettez personnaliser.
Et là, normalement, vous avez tout en affiché dans personnalisé. Une fois que c'est tout affiché, vous vous suicidez une fois et là, elles apparaîtront pendant le glitch. D'accord? Allez, donc là, je suis apparu. Vous voyez, c'est tout buggé. Et il va falloir voler un véhicule de PNJ. Donc, votre garage de PDG, il devra être plein avec une Illigi Custom Rétro qui a une plaque custom ou blanche. Obligatoire, les gars. Ne faites pas ce glitch avec des plaques sales. Je répète, c'est pas bon. Allez, donc moi, c'est dans le garage 1, garage plein. Je valide ce message et je fais plus rien. J'attends d'apparaître dans le garage tout seul. D'accord? Vous avez juste à valider complexe plein, garage plein et vous allez apparaître comme moi. Étape finie. Donc maintenant, vous avez juste à suivre les étapes. Il n'y a plus de glitch. C'est juste maintenant à dupliquer. Vous montez dans ce véhicule qui est une plaque custom ou plaque blanche. Vous laissez démarrer le véhicule ou faites flèche de droite. Une fois que vous êtes là, vous allez changer une plaque. Changez une plaque, vous allez faire rond, 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 descendre du véhicule. Vous voyez la plaque? C'est pas une plaque. C'est pas une plaque de rue, d'accord? Parce que toutes les plaques seront les mêmes. Ça clone la plaque. Mais au final, c'est une plaque custom, donc ça vaut le coup. Vous pourrez en vendre un peu plus. Même si je vous conseille à 4 maximum par jour, moi je vous le dis, c'est déjà bien. Faites rond, rond, vous voyez, vous avez accédé au garage fonction 0. C'est nickel. Mais vous descendez du véhicule. Et là, vous allez demander à votre ami qu'il vous détruise le véhicule personnel en bas du PDG. D'accord? Le premier coup, il va apparaître ici, en bas de vous. Donc, votre ami, surtout, ne le faites pas péter vos véhicules personnels comme ça. Vous le faites mettre en PDG. D'accord? Il se met en activité PDG. Et il lance une mission. Gros bonnet. Il lance une mission. Voilà. Donc, il fait dans le pavé tactile. Et il lance sa mission. Donc, c'est dans Sécuroserve. Mission spéciale. Comme ça, quand il va péter vos véhicules, il n'aura pas de problème. Il n'ira pas dans les mauvais joueurs. Ça aussi, c'est très important, les gars. Ne pétez pas les véhicules si vous n'êtes pas en mission motard ou PDG. Allez, là, on va refaire une duplication. D'accord? Donc, j'appelle ma mutuelle motard. Ma mutuelle morse. Je vais réparer un Fadjo. D'accord? Je vais faire réparer un Fadjo. Je monte dans mon Eligi. Je fais flèche de droite et je change une plaque. Changez la plaque, vous faites rond, 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 descendre du véhicule. Et là, votre ami, il va se retrouver à la mutuelle. Vous savez où apparaissent les véhicules à la mutuelle. D'accord? Il va falloir qu'il aille ici maintenant. Et il va péter tous vos véhicules que vous allez réparer de la mutuelle. Et à chaque fois qu'il va la péter, ben ça vous va vous créer une illigie. D'accord? Donc vous le verrez au fur et à mesure dans le pavé tactile, quand à chaque fois que je vais commander. Que je vais réparer un Fadjo, vous verrez qu'à l'emplacement au-dessus, vous avez une Illigi Custom Rétro. Et une fois que vous avez fini le glitch, vous sortirez du garage, vous ferez rond, rond, sortir du garage de fonction 0, vous sortirez du PDG, et là, vous pourrez rappeler, réparer tous les véhicules que vous avez là-dedans. Et elles apparaîtront dans votre garage. Donc là, mon poteau, il va péter la moto. Donc là, vous n'aurez pas besoin de regarder. En cas, s'il ne trouve pas la moto, vous regardez sur votre carte, vous lui dites où elle est. C'est bon, il a pété ma moto. Je ressors mon téléphone, mutuel. Garage 3. Donc là, vous voyez l'emplacement 1, déjà, il y avait une Illigi. Vous réparez votre Fadjo, vous montez dans votre Illigi, flèche de droite. Vous allez réparer une plaque. Changer la plaque, pardon. Rond, 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 descendre du véhicule. Et vous dites à votre ami, vas-y, pète la moto.
Et ça, vous allez le faire tant de fois que vous avez le Fagio démoli. Donc là, vous voyez, là, maintenant, j'en ai déjà fait trois. J'ai fait la toute première quand je suis rentré dedans. La première qu'il a pété. Donc là, vous voyez, déjà, il y en a deux. Deux ici, plus une qui est ailleurs parce que je l'ai appelé au dernier moment. Allez, flèche de droite, changer plaque. Rond, 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 descente du véhicule. Et là, vous dites à votre pote, vas-y, pète la moto. Et ça, vous le ferez tant que vous aurez des Fagio. D'accord? Là, il va me péter la moto. Je rappelle la mutuelle, je répare un Fagio. Là, regardez dans le menu, toujours au même garage, ce sera ma quatrième. Répare un Fagio au moins dans le véhicule, flèche de droite. On va changer une plaque. Descend du véhicule, vous dites à votre pote, vas-y, pète la moto. Donc pour mettre ce menu dans le complexe, dans le garage, vous faites pavé tactile, d'accord? Dès que vous avez cliqué sur la carte, vous faites le gros bouton et là ça vous mettra la carte. Donc vous voyez là, c'est caché un peu la moto. Vous le guidez à votre pote. Vous lui dites là, vas-y, va de l'autre côté, à ta droite, hop, et à la moto, boum. Il lui jette un missile, c'est réglé. On recommence. Mutuelle, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ben, je vais remplir tout mon garage et je vous montrerai après les éléguis dans le garage. Voilà les fratés, je vous fais des grosses bises, je vous dis à très vite, ciao!